Yo, Yo les mecs, toute nouvelle vidéo, c'est tuto. Hein. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Désolé pour l'intro, on va juste de se réveiller. Il est un peu plus de 6h40. On est samedi 9 janvier, samedi matin. On se lève tôt aujourd'hui pour une grosse vidéo, une grosse dinguerie. J'espère qu'elle va vous plaire. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors là, on va direction Deauville. Il faut qu'on y soit pour 10h maximum. J'espère que la vidéo va vous plaire parce que ça va être une grosse dinguerie. Première sur la chaîne et première pour moi d'aller voir une grosse voiture. Ça va être une Aston Martin. Ça va être une grosse dinguerie, je pense. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, je compte sur vous pour les pouces bleus, les gars, pour battre des records sur la chaîne. Déjà, j'ai vu que la vidéo sur l'autobahn la dernière fois vous avez plutôt bien plu. Donc, j'espère que cette vidéo aussi va vous plaire aussi. C'est encore mieux que l'autobahn, là. Ça va être une plus grosse dinguerie. Donc, on y va avec trois de mes potes, hein, pour maximum 10 heures à Deauville. Donc voilà, nous on va aller se préparer, faut qu'on parte au plus vite. On prépare le matériel pour la vidéo. Et voilà, j'espère que le tournage va bien se passer, que tout va bien se passer. Et toute cette petite journée, je pense, ça va être giga lourde. Et il y a des trucs où je pense qu'on n'est même pas prêt, parce qu'il y a des trucs qu'on n'est même pas au courant. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Le pouce bleu, n'oubliez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc nous, on est parti tout de suite. On va se préparer, on part de... à côté de Cergy pour aller jusqu'à Deauville en Normandie. C'est parti, à tout à l'heure les gars. Couleur, je suis pas fan, mais j'aime bien la voiture. Non, moi j'aime bien du mat, genre du Leonardo. J'ai commencé les vidéos hier et il y a pas longtemps et j'en suis déjà là quoi, c'est dingue. Mais vas-y, mais t'inquiète, y'a rien. Elle est folle. Je suis choqué. Bon les gars, là on est arrivé à Deauville avec Marco. Alors on va vous présenter sa voiture. Aston Martin. Des bénévoles volantes. Voilà. Exactement. Donc sa voiture elle est quand même elle est magnifique et en plus elle fait masse bruit quand même. Hein. Un petit peu. C'est le titane ça. Ouais. Vous allez le voir après dans la vidéo. Échappement titane. Présente-nous un peu tes réseaux avant tout, avant de commencer. Donc moi pour Instagram c'est marco.lh7 comme c'est écrit là sur le pare-brise et puis sur les vitres sur les côtés. Après tout ce qui est YouTube pour tous les techniques d'achat-revente, pour passer d'une Twingo à cette Aston Martin, ouais. C'est M7 Marco sur YouTube. Ouais, parce que t'as quand même commencé avec une Twingo et maintenant t'as ça quand même. Exactement, une Twingo 1 litre 290 chevaux et c'était un pur bonheur. En fait, quand t'es passionné, t'aimes toutes les voitures. Ouais. Et je me suis dit, mais comment demain faire en sorte de garder sa voiture, faire de l'argent et faire en sorte que cet argent puisse se fructifier pour arriver à ton rêve automobile. Et donc, bah aujourd'hui, j'en ai la preuve que ça marche. Je l'ai fait deux fois, je l'ai pas fait qu'une fois. J'ai une fois vendu ma voiture pour acheter ma maison et je suis reparti à zéro. Ah ouais. Et aujourd'hui, je suis à celle-ci. Et la prochaine va arriver dans un mois et demi et ça. Je spoil personne, mais en attendant... Tu vas changer ou ça sera en plus? Non, ouais, non, je vais changer. Changer? Ah ouais? À chaque fois, c'est cette voiture-là, je change pour passer sur un autre modèle plus gros. Donc ça va être du lourd après. Pour placer l'argent, exactement. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à ces réseaux, que ce soit Instagram et YouTube, on vous mettra tout dans la description. Et parle-nous un peu du coup de la voiture, quand est-ce que tu l'as eu exactement et à qui elle appartenait avant? Alors donc, elle appartenait à Aubameyang, joueur de foot qui joue à Arsenal, pour ceux qui connaissent. Donc moi, je l'ai eu en février l'année dernière. Voilà, un garage dans le sud de la France, Mathieu Hamard, s'il m'écoute, ouais. Qui est devenu quasiment un ami hein, maintenant. Et donc si tu veux, cette voiture bah, était un joueur de foot, il l'avait acheté donc Aston Martin, donc tu avais à peu près 200 000 euros le prix d'achat, hein, une des bonnes volantes c'était le prix, et 50 000 euros le pack Mansory qui a été mis dessus, pack carbone, que tu vois aujourd'hui. Bon moi par contre j'ai rajouté un alu brossé en covering si tu veux t'avancer pour voir. Tu vois vraiment pour le coup au toucher, c'est vraiment comme de l'alu brossé et ça protège la peinture d'origine. Il faut savoir qu'elle a eu 6 couleurs cette voiture. Ah ouais, ok. En fait, la petite histoire, c'est qu'Aubameyang, quand il changeait de club de foot, il la mettait aux couleurs du club. Ah ouais, stylé. Donc voilà. Donc elle a fait vert pomme, rouge, gold, elle a fait gris mat, un autre noir et un noir en trim blue. Ça, c'est la couleur d'origine qu'il y avait en dessous. Ok. Donc, voilà. Donc après, bah, parler de la voiture, V12 atmosphérique, je peux te montrer au niveau des moteurs. Ah, c'est énorme. Donc voilà, donc là, il fait bien chaud en plus. Ouais, ouais, ouais. Un peu tapé dedans avant. Donc 6 litres V12 atmosphérique. T'as un peu plus de 700 Nm seconde au niveau de l'accélération. Bon, de toute façon, comme vous avez vu, mais c'est en propulsion, donc il y a de quoi jouer. Et là, t'as la plaque en fait de l'ingénieur. Et ouais. C'est lui qui a validé le fait que le moteur soit OK pour aller sur cette voiture. Ok. Et combien de chevaux elle fait du coup? Donc 600.
600 chevaux. 600 chevaux, voilà, en atmosphérique. Donc, ok. Ça prend un peu plus de 330. Eh bah, c'est propre, tout ça. En Allemagne, bien sûr. Ah bah oui, sur l'autobahn. Faut le préciser, exactement, autobahn. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, elle a tourné dans le clip de Ruff. J'accélère, pour tous ceux qui connaissent. Ah ouais, mais j'avais même pas. Vous voyez Ruff au début sur le premier plan avec la piscine, là, et vous voyez, il y a une Rolls Royce. Il y a l'Aston Martin comme ça, mais elle est en gold crocodile. C'était à l'époque du covering de MS Motors, de Pierrot. Et donc, du coup, ouais, elle a un petit CV sympa, hein, celle-ci. Hein. C'est vrai, elle a du vécu. Aussi. Elle a été volée. Ouais, un soir de match en finale de Ligue, ils l'ont retrouvée dans le centre-ville de Saint-Étienne. C'est à toi qu'on l'a volée ou non, c'est. Aubameyang. Ils l'ont retrouvée dans le centre-ville avec un pneu crevé. Elle était vert pomme. Tu vois, voler une Aston Martin qui fait ce bruit-là vert pomme, faut le ouais. faire quand même. Ouais. Et ils l'ont retrouvée. Et tu vois, aujourd'hui, elle est là et elle est en très bon état. Très, très bon état. Donc voilà ce que je peux dire globalement sur cette voiture. À part que c'est un modèle unique. Ouais. Édition One of One, je sais pas si tu veux. Voir. One of One, ouais. C'est la seule dans le monde en fait. Avec ce pack là, oui. Ouais. Composé de cette façon. Tiens, je peux zoomer. Je vais vous la décapoter, que vous voyez ce que ça va. Vas-y. Et ensuite tu pourras nous la démarrer et voir le jus qu'elle envoie. Franchement, elle est magnifique, même décapotée. Donc il n'y a pas de valve. Il n'y a pas de valve électronique ou quoi. C'est tout le temps le bruit comme ça. Ouais. Si t'es à 1000 tours, 2000 tours, ça va. Ça passe. Donc là, tu vois, tu sens que ça commence à te soulever. Tu vois, ça, ouais. ça sort vraiment le son du V12 pour le coup. Mais l'avantage, c'est que c'est un bruit qui est hyper agréable. Parce que tu peux rouler tranquillement avec 3000, 4000 tours en minute. Ouais. C'est pas non plus énervant, quoi. C'est une belle mélodie. Ouais, c'est clair. C'est très belle. Magnifique. Sport. Franchement, c'est fou. J'adore. Elle est belle en décapotable. Ah, elle est magnifique. Alors, c'était la voiture, je crois, c'était en 2010 ou 2011. Elle a été élue la voiture de la plus belle du monde en décapotable. Ah ouais? J'étais la plus belle du monde en décapotable. Ah ouais, quand même. Franchement, magnifique. Hein. J'adore. Ah ouais. Des impressions? Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est sympa. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça envoie vraiment quoi. Ah ouais. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je pense sur les trucs ouais. comme ça là où il tableau en carbone du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre en carbone? Attends, il y a quoi qui est en carbone du coup? Ouais, les, même les portes, il y a tout. Même les portes en carbone. Franchement ouais. Elle est excellente. C'est quoi la taille des pneus? La taille des pneus, t'es en 2,95 à l'arrière. Donc c'est ce qu'ils mettaient sur les galardos. Ouais. Et à l'avant, t'es en 2,65, je crois. 2,45. Et l'arrière, 2,95. Ouais, c'est énorme l'arrière. Ah ouais. Oh, je suis choqué. Oh là 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 là. J'étais vraiment pas prêt à ça. T'es prêt ou t'es pas prêt? On est prêt. Oh mon dieu, les sensations. T'as des sensations de malade. Franchement les gars, allez vous abonner à sa chaîne, hein. Si vous voulez faire comme lui les gars, il explique tout, comment faire l'achat revente, tout est sur sa chaîne. Allez vous abonner à sa chaîne, vous aurez tout dans la description les gars. C'est de la folie. J'étais pas prêt, je m'attendais pas à ça.
putain, ce drift. Réaction à chaud, ouais. Franchement, c'est une dinguerie. T'as vu, c'est une dinguerie. Hey, tu les sens bien, les 600 chevaux. Ah ouais, tu les sens bien. L'accélération, elle est violente. Ah, violente, hein. Elle glisse bien en plus, hein. Je crois que je me remettrai jamais de ce jour. J'étais pas prêt, les gars, je vous le dis, j'étais pas prêt. J'ai jamais été dans une voiture aussi puissante de ma vie. J'espère la petite vidéo vous aura plu. Une des premières vidéos voiture de la chaîne. J'espère que ça vous aura quand même bien plu. Et on verra avec Marco pour en faire d'autres quand il changera de voiture même. Les dingueries que ça fait quand même. Ah, ça sent la gomme. T'as tout le monde content. Hein. Ça sent la gomme. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao.